Madame, une soutien, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas une jeune demoiselle qui s'appellerait Anne? Si, si, elle a l'habitude de combat. L'habitude de combat? D'accord. Merci. Quelqu'un? C'est la police. Oui, bonjour madame. Je suis ici. C'est oui, pour une enquête que nous sommes en train de mener. Et nous allons rentrer. Vous êtes Anne, c'est la petite bonne ici qu'elle habite. Ouais, c'est ma petite soeur. Je suis rentrée, c'est bon. Allez-y. Merci. Je suppose que vous êtes mademoiselle Anne. Nous effectuons une enquête au sujet de la disparition de mademoiselle Lénie, votre meilleure amie. Nous avons été contactés par sa mère, qui nous a signifié qu'elle a été aperçue pour la dernière fois avec vous. Donc nous avons quelques questions à vous poser, si cela ne vous dérange pas. Oui, madame, nous allons procéder. D'accord. Premièrement, quelle était la dernière fois que vous l'avez vue? Ici même, on a organisé avec mon frère et deux autres une rencontre, une petite fête en fait. D'accord. On s'est réjouis tous ensemble. Effectivement. Et ensuite, je crois que mon frère l'a accompagné parce qu'il ne pouvait pas rentrer seul en même temps. D'accord. Oui. Et je peux avoir la date à laquelle vous avez organisé la fête? C'était quand là, je crois, un samedi. La semaine dernière. Ok. D'accord. Et elle est rentrée aux environs de quelle heure? Bon, comme il se faisait tard déjà, je crois. C'était 17h, 18h. 18h, 17h. Je vais pas avoir votre nom, s'il vous plaît. Chris. Donc, c'est vous qui avez raccompagné, vous l'avez mis dans le taxi? Non, pas dans le taxi. Je l'ai accompagnée à un bon niveau, à un endroit là où elle pouvait marcher seule. Voilà. Donc tu ne l'as pas accompagnée jusqu'à la route? Mais non, puisqu'on avait des invités, je ne pouvais pas l'accompagner jusqu'à la route. Il fallait que je revienne. Donc je l'ai laissée à la piste, là où tu vas, où tu connais la piste, là, et puis facilement l'accès à la route. C'est maintenant que je prends conscience que Vénie a vraiment disparu. Et vous n'avez pas les informations concernant Lenny, si elle a quelqu'un dans sa vie chez qui elle pourrait être? Non, non. Lenny n'a personne dans sa vie. Ok, ça marche. Donc, je vais retourner au poste pour continuer mon enquête. Et donc, l'enquête est ouverte. Je vous prie de ne pas quitter la ville parce que je pourrais avoir d'éventuelles questions à vous poser. D'accord, inspecteur. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Vivement que nous puissions trouver Winnie. D'accord. Non. Mais tu n'es pas sérieux? Sérieux tu comment? Tu ne peux sérieux pas laisser comment? Winnie à la piste. Tu sais très bien que à cet endroit, c'est dangereux. J'ai eu confiance en toi. Maman, je l'ai accompagnée. Je l'ai laissée à la piste. À côté, c'est la route. Winnie est grande.
je comprends pourquoi sa maman m'a appelé. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, elle n'est toujours pas arrivée à la maison. Bon, ça, je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que je l'ai accompagnée. Et je suis revenue comme j'étais seule avec, avec nos invités et tout ça. My God,